À l'âge de 53 ans, je pense que j'ai de plus en plus de difficultés à tenir la nuit. La vue joue moins bien la nuit. C'est difficile. La neige, le vent, la pluie, la manutention, tout devient dur. Les heures, les heures de livraison dans les magasins, c'est de... trop contraignant. Ça devient trop contraignant pour un chauffeur qui vieillit comme moi. Je ne suis pas chauffeur-livreur, je suis juste transporteur. Et on doit donner la, la marchandise au, au cul du camion régulièrement. Mais les clients, ils en demandent de plus en plus. Il faut leur rentrer dans le magasin. C'est de plus en plus lourd à tirer les palettes. Hein, c'est des palettes de une tonne. Maintenant, ce qu'on demande aux chauffeurs, c'est dans des grands groupes, vous arrivez chez eux. Vous déchargez le camion, vous déchargez les, les vides, vous rechargez le camion tout seul, vous filmez les rôles, vous le filmez les palettes, parce que rien n'est fait à la préparation. Euh, quand vous arrivez à une autre circulaire pour vider, c'est pareil, il n'y a jamais personne. Et en messagerie aussi, parce que j'ai fait de la messagerie, on va chez le client, on charge, on revient là, on décharge. La pénibilité, la dureté vient des entreprises chez qui on charge. Pas spécialement que du, du, du patron de, de la boîte de transport où on travaille. Jamais, au grand jamais, euh, on prend en compte l'avis euh, du terrain. Ce qui veut dire que pour des transports électriques, par exemple, on vous les fait essayer, on vous demande votre avis. Donc on demande l'avis aux anciens, puisque c'est eux qui sont les plus faibles, entre guillemets. Et euh, à la fin, il y, a, il y a un aspect financier qui est pris en compte. Et donc, on. on ben, on est, nous, on n'est pas pris en compte. Le métier de conducteur a quand même tendance à évoluer. Euh... Alors, de manière générale, on peut voir qu'on roule de moins en moins sur de la très longue distance parce qu'il y a la concurrence euh, des conducteurs polonais, roumains, etc. Donc les, des tractionnaires étrangers. Alors, avec les problèmes de, de rentabilité que l'on connaît. J'ai constaté que maintenant, on fait plus de manutention qu'on fait de kilomètres. On faisait nos 10 heures de route. Déjà, c'était un peu plus reposant. Et après, on déchargeait. Et on se mettait à quai. On attendait que ça se passe. Là, on pouvait se reposer. Tu sais ce que maintenant, c'est... Eh ben, tu me charges, par exemple, à Lyon. Tu vides à Grenoble. Tu décharges. Après, on te recharge derrière pour revider dans la foulée. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Un mot qu'on entend souvent dans ce métier, c'est « tu vides dans la foulée ». Beaucoup de manutention. Chose qu'on ne voyait pas avant. Bon, moi, ce, qui me, ce qui, me, comment dire, qui me fatigue le plus dans ce travail, parce que c'est un travail, c'est plus une profession, mais non, c'est le, le stress que j'ai en permanence. Je ne suis pas crevé physiquement, mais c'est mentalement. Alors, il faut regarder les temps de conduite, la pression que j'ai quand j'arrive chez le client, qui ne me charge pas dans les délais. Ces délais, ils n'ont pas été respectés. Après, j'ai un délai de livraison. Ce délai de livraison, je on tourne... Des fois, à la seconde près, puisque les clients mais non vous arrivez à midi moins qu'heure pour vider deux palettes. Vous être sûr que c'est deux heures de l'après-midi. Donc on met, on met le pied dans. On prend des risques. On, on est toujours en train de regarder le GPS là. On s'énerve. voyez. Donc là déjà là-dessus, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Parce que nous on fait vivre, Le client nous fait vivre, mais lui on le fait vivre aussi. Donc je pense que le relationnel, il faudrait qu'on l'ait dans, dans les deux sens. C'est-à-dire patron, ouvrier et patron. Et clients. Voilà. Je fais partie du CHSCT depuis quelques années, donc une dizaine d'années. On s'aperçoit qu'au niveau des actions de travail, il y a deux, euh, deux raisons qui, qui émergent beaucoup. Euh, la première, c'est euh, les problèmes articulaires, les problèmes de dos liés à la manutention euh, qui sont récurrents et qui sont en nette progression. Et avant, euh, les actions de travail n'étaient pas forcément répertoriées, donc on ne le savait pas vraiment. Ça, c'est en très nette progression. Et il y a euh, une, un autre domaine. C'est euh, ce qu'on nous, on appelle euh, donc le, le petit accident moral euh, ou le, la maladie du Sud. C'est-à-dire des gens, euh, comme ils ne peuvent pas prouver que le stress et le mal-être au boulot euh, impactent directement sur eux, ils se mettent en maladie. Et ça, on l'a enfin en, en action de travail. Les contrôles médicaux qu'on peut faire tous les 5 ans à la sécu ne sont pas ouverts le samedi. Malgré mes dizaines de lettres recommandées, les ophtalmos, n'en parlons pas. Et là, il y a une grosse difficulté pour la santé des gens. Déjà, pour se faire soigner, vous allez trouver maintenant un médecin, une banque, ou un dentiste qui travaille le samedi. Vous n'en avez pas. Ben, Qu'est-ce que vous faites Vous ne faites pas soigner. Vous vivez avec ce que vous... À moins, quand on se fait soigner, c'est trop tard, c'est qu'on est malade. Quand on a commencé, le boulot, il était euh, pénible. Euh, seulement, on avait la fibre, la fibre, c'est-à-dire qu'on euh, était des routiers, euh, bouffeurs de macadam, tout ce que vous voulez. Seulement, euh, on avait une reconnaissance et on était, euh, on avait une capacité d'initiative qu'on n'a plus à l'heure actuelle. Maintenant, l'initiative, c'est zéro de chez zéro. Euh, on peut même plus aller pisser un coup euh, sans se faire fliquer, puisque bon, euh, que ce soit en national ou international, on a des GPS de partout, ils savent quand est ce que vous êtes en repos, ils savent quand est-ce que vous avez ouvert la porte du frigo. Pour nous, les anciens, ce qui est très pénible, euh, c'est l'informatique embarquée. Alors ça, c'est là on assiste là à une déshumanisation complète. Les affréteurs, ils ont un écran d'ordinateur devant eux, et notre camion, il est représenté par un petit point. Parce que derrière ce petit point, ce n'est plus un être humain qui a. Un... Pour eux, c'est un jeu vidéo. Alors, ça, c'est. L'informatique embarquée, c'est une véritable saloperie. Euh... Parce que nous, nous l'ancienne école, bon, nous on a... on a connu ce métier qui était basé sur la confiance. Et ça se passait très bien. Mais maintenant, ils peuvent optimiser au maximum nos, notre temps de travail. Parce qu'ils voient exactement combien de temps il nous reste à faire, combien de temps de conduite il nous reste, euh, s'il nous reste des coupures à faire. Ils voient tout. Alors ils optimisent au maximum notre temps de travail. Voilà, avant, on rentrait en fin de semaine, on était fiers d'avoir euh, fait son boulot, d'avoir fait tout ce qu'on nous a demandé de faire. Maintenant, moi, je, je fais parce qu'il faut faire, hein, on est bien obligé, mais je ne suis plus très fier. Quoi. On nous donne un boulot, si on ne le fait pas, il faut toujours dire pourquoi, et pourquoi ci, pourquoi là, euh, il faut toujours justifier. Mais enfin, sur la route, il y a des impondérables. On ne vise pas chez nous du suivi de temps de travail permanent, du suivi de géolocalisation permanente. On vise plutôt une traçabilité des livraisons informatiques qui va permettre de gagner du traitement administratif derrière, de, de rendu compte en fin de journée des livraisons en faites. C'est-à-dire qu'en temps réel, nos clients savent ce qui a été livré chez leurs propres clients. L'ancienne génération peut ne pas apprécier parce qu'ils se disent qu'avant ça fonctionnait très bien et que pourquoi ça ne fonctionnerait pas encore maintenant. Ils n'ont peut-être pas compris effectivement qu'il faut, qu faut vraiment optimiser une exploitation et optimiser tous les outils de transport. Moi ce que j'ai toujours demandé à mon patron, c'est qu'il demande nos avis. Les chauffeurs, je suis rentré dans l'entreprise, on avait une réunion par an, une réunion entre chauffeurs, les exploitants et le patron pour discuter ce qui n'allait pas. Maintenant, ça fait eh bien 5-6 ans, plus aucune relation avec eux. On nous donne le travail, un peu c'est tout. Et on n'a pas à discuter, sinon on nous traite de fainéants si on ne veut pas y faire. C'est pas qu'on ne veut pas y faire, c'est qu'on n'y arrivera pas. On fait l'effort, on fait l'effort de communiquer, on communique beaucoup avec les représentants du personnel. Euh, c'est DP, CHSCT, on a les délégués syndicaux également. En tout cas, on, euh, on communique et je pense que c'est comme ça que l'on peut arriver à, à faire progresser, progresser l'entreprise. Euh, donc, c'est quand même compliqué de les réunir tous pour communiquer. On n'a pas encore trouvé la, la solution idéale pour les conducteurs. La relation elle est euh, quotidienne, permanente entre le conducteur et, et l'exploitant. L'exploitant va avoir toutes les contraintes euh, commerciales. Euh, il peut décider, décider, décider aussi de l'itinéraire. Est-ce qu'il prend l'autoroute Pas l'autoroute. Donc il y a quand même un lien entre l'exploitant et le conducteur qui est, euh, qui est quasi obligatoire. Alors que le conducteur confirmé, il va peut-être peut -être plus tarder pour appeler son, son exploitant. Il va être plus en autonomie. Parfois c'est bien. Parfois non, parce que euh, l'exploitant a aussi besoin de connaître euh, très souvent euh, où en est le conducteur. Seulement il n'y a plus de respect. Il n'y y en a plus. En a plus. Euh, dans le meilleur des cas, tu es considéré comme un numéro de camion ou un numéro de tournée. Et, et puis si tu t'es pas content, tu te barres, quoi, parce que tu es un vieux. Et puis que voilà. Donc euh, le, le constat est vachement amer. Et, euh, euh, moi, je ne vois pas de solution hormis que les patrons, au lieu de penser pognon, ben, ils pensent... Euh, Pognon, c'est normal, une entreprise, elle est là pour gagner du pognon, pour nous ordonner, il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'ils nous respectent, qu'ils nous donnent au moins, euh, comme tu dis, qu'on hein, vive un peu décemment, mais surtout du, du, du respect, de la, de la reconnaissance. La relation avec le donneur d'ordre est de plus en plus problématique. Il hein. ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Euh, quand vous avez une tournée qui est régulière, vous connaissez vos gens, vous êtes bien reçus. Il faut reconnaître aussi que. Chez les destinataires, moi je trouve qu'ils ne sont pas toujours bien reçus, les conducteurs. Il faut le respect d'autrui, il manque un petit peu là. Hein euh, ça, ça s'est dégradé par contre. Hein ça s'est franchement dégradé. Hein. C'est que personnellement, j'attache une importance à mon chargement, parce que c'est la vie des autres, la mienne, plus la valeur de la marchandise, et aussi le relationnel avec le client, parce qu'on est amené à se revoir après avec le client. Et des fois avec le client, quand on a un bon relationnel avec le client, des fois il va dire « bah tiens, je te vide quand même ». Moi ce que j'ai remarqué en bien, sur moi, je parle sur moi, parce que là ça fait déjà deux ans que j'ai une tournée régulière, je m'entends super bien avec mes clients. Quand on est connu, on commence à être connu dans le secteur, ça nous ouvre grand les portes. Chez certains clients qui sont directs chez nous, on peut dialoguer. Chez les clients de nos clients où nous sommes en location on n'a pas accès aux clients destinataires. C'est très difficile. Le, le conducteur est quand même l'ambassadeur euh, de la société. C'est le, le, euh, enfin, le second commercial. Le, le travail commercial a été fait en amont euh, pour avoir euh, le, 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 le trafic. Mais ensuite, le conducteur est le représentant commercial de la société au quotidien. Donc, d'avoir aussi des, des conducteurs fidélisés à ses clients. Ça nous fidélise euh, commercialement et ça nous permet de nous développer. Si on n'explique pas ce qu'est le transport, si on lui donne pas, on lui redonne pas euh, sa richesse et sa, sa valeur, si on ne va pas défendre le transport au niveau des chargeurs, euh, on va rester avec une très mauvaise image. Euh, et c'est ce qui fait le déficit, justement, actuellement, qu'on ne trouve plus de conducteurs, qui ne sont plus intéressés. Pour moi, il faut tout remettre à plat entre les, les entreprises qui donnent le travail aux transporteurs et les transporteurs. Il faut tout rediscuter. Et je pense qu'en discutant euh, du travail et, et des problèmes à améliorer, des, tout ça, euh, je pense qu'on pourra. Euh, le, le métier du transporteur n'est pas, pas foutu. Je pense que ça peut se pérenniser, même dans la longueur. Mm hmm